14 années au plus haut niveau en ski alpinisme et 17 titres de championne du monde, me voilà finalement habitée par ce besoin de sortir de la trace, de m'éloigner des records et des fanions des compétitions, attirée par quelque chose de plus grand, de plus puissant, de plus essentiel. Ces derniers temps, la vie m'a amenée à explorer le génie de l'arbre, la figure la plus emblématique de la nature, mais aussi de la vie. Et bonjour Laetitia. Trop joli l'accès là sur la petite passerelle. Oui, c'est un peu sportif. C'est quoi une forêt en santé pour toi? Une forêt en bonne santé, c'est une forêt qui peut ressembler à ce qu'on imagine comme une forêt très naturelle ou un petit peu sauvage, même s'il n'en existe plus vraiment en France. Donc c'est une forêt où il va y avoir de la diversité d'essences. Donc c'est le cas autour de nous, tu peux voir différentes strates de végétation. Avec, si on commence tout en bas, de la mousse, une strate herbacée, de la myrtille par exemple, des arbustes, des jeunes arbres, des plus vieux, des très vieux. Voilà, plus il y a de strates végétales, plus il y a de compartiments qui sont exploitables par des espèces avec des besoins différents. Donc c'est un élément important de la diversité et donc de la santé de la forêt. C'est aussi une diversité dans l'âge des arbres. Il y a quand même une partie très importante de la biodiversité forestière qui est liée à la maturité des bois et notamment aussi la présence de bois morts. En fait, le mot-clé à retenir, c'est diversité. D'accord. Bon, j'imagine que cette parcelle de forêt, tu la connais bien. Ça te dit qu'on fasse un petit tour? Bien sûr, ouais. Et alors, comment ça se passe exactement, la gestion d'une forêt? On essaye autant que possible, quand on est forestier, d'accompagner ce qu'on appelle les dynamiques naturelles, c'est-à-dire tout ce que l'écosystème forestier réussit à fabriquer de lui-même. Donc toute l'intelligence du métier de forestier, c'est de réussir à observer ce qui se passe spontanément dans la forêt, et de l'accompagner et d'en profiter pour tirer de la forêt les besoins en matière de matériaux bois pour la filière, que ce soit en construction, en chauffage, voilà. Une forêt à forte naturalité, qui est très diversifiée, c'est une forêt qui a plein de cartes à jouer dans un contexte climatique changeant. C'est-à-dire que plus il y a d'essences différentes, plus cette forêt, elle aura une capacité déjà à résister et à être résiliente, c'est-à-dire à être en capacité de se reconstituer ou de continuer à fonctionner après une attaque, un aléa quelconque.
Je trouve ça plutôt beau, plutôt positif, et justement de travailler avec ces arbres, avec cette forêt, parce que face à la situation actuelle qui peut d'un côté oui être un peu déprimante justement, c'est plutôt le côté positif et puis le beau côté, la forêt avec toutes ces solutions pour l'avenir. Donc, soyons optimistes. Vianney, merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi. L'aventure ne fait que commencer pour moi, alors je te laisse. Mais à bientôt. À bientôt, bon courage. Allez. Face à l'intimidante complexité des forêts se cachent les secrets d'une vie en communauté équilibrée et pérenne. Et nous avons la chance d'en faire partie. Alors comme le dit Vianney, accompagnons les forêts dans leur dynamique naturelle. J'adore les moments de partage en refuge au cœur de la montagne. J'ai donné rendez-vous à Alexis dans celui-ci pour échanger sur le dérangement hivernal de la faune sauvage. Bon alors Alexis, je voulais te montrer un petit peu l'itinéraire que j'ai prévu. Pour que tu me dises s'il y avait des choses à prendre en compte pour éviter le dérangement de la faune sauvage. Là, tu échappes un peu aux zones interdites, les zones de tranquillité du tétralyre. Et alors, de manière générale, quelles sont les espèces qu'on peut trouver dans le parc? Celle dont on parle le plus, nous, avec laquelle on communique, c'est le tétralyre, parce que lui, il hiverne dans les zones UBAC, c'est-à-dire au versant nord, poudreuses à l'orée des bois. C'est pile les zones qui sont recherchées par les skieurs. Donc il y a une cohabitation qui n'est pas toujours évidente. L'hiver, il y a trois possibilités pour les animaux. Soit ils migrent, hein, comme beaucoup d'oiseaux, hein, les hirondelles, les grives, les cirquettes, beaucoup d'oiseaux vont migrer. Soit ils hibernent, comme la marmotte, et puis sinon ils vont hiverner. Du coup, là, il va falloir qu'ils s'adaptent aux conditions très rudes, en faisant beaucoup de réserves, en changeant de pelage. Et c'est ceux-là qu'on peut encore rencontrer, mais qui vont être en mode économie-économie, c'est-à-dire en déplacement minimum, ils réduisent énormément leurs déplacements, ils ont du mal à se nourrir, ils changent d'alimentation parfois, ils mangent des aiguilles de pin, du lichen. Donc c'est des animaux qui vont arriver au bout de l'hiver avec toutes leurs réserves un peu épuisées. Et si on les dérange encore un peu plus, ils vont justement arriver dans un état de faiblesse maximum, et ça va parfois les empêcher de se reproduire au moment de la saison des amours. Et alors moi, je me suis renseignée un petit peu quand même sur ces zones avant de te voir, et notamment j'ai regardé sur cette application ou le site Biodiv Sport. Et voilà, c'est très bien, il y a quelques applications, hein, donc il y a Biodiv Sport. Pour les tétralyres, il y a l'Observatoire des Galiformes de montagne qui répertorie toutes les zones de tranquillité sur l'arc alpin, d'appeler ou le parc régional ou l'office de tourisme pour savoir quelles mesures ont été mises en place, ça peut être aussi un bon outil. Bon bah écoute, ça s'annonce juste fabuleux, voilà. Donc je vais ouvrir l'œil et puis essayer de pas trop déranger en même temps, mais merci beaucoup. C'est une belle deuxième journée qui s'annonce. On va se laisser glisser jusqu'à Claire pour attaquer par de la cascade de glace. Salut Claire. Salut. Ça va? Bien et toi? Ouais, bah on a de la chance, regarde, il nous reste un peu de glace. Bah ouais, c'est nickel hein. Du coup, on part sur la troisième, là? C'est la troisième, gauche, c'est ça. Celle-là? Une grecque de gauche. Ok. Bah, parfait. Bah, nickel. Bah, c'est top. Thank you.
Miguel. Joli. Moi, je vais enlever le matos et puis je vais repartir en ski pour aller retrouver Michel aussi au lac Miroir. Trop bien. Eh ben, profite bien de la suite de l'aventure. Quand j'ai arrêté ma carrière, j'avais également envie d'aller en montagne pour ce qu'elle est vraiment. Bien loin du simple terrain de jeu, pour ses rochers, ses arbres, ses pleins et ses vides, pour chacune des espèces vivantes qui s'y maintiennent et nous y accompagnent. Salut Michel. Salut Laetitia. Bon, excuse-moi, tu m'as pas trop attendu. Non, ça va. Bon. Et ici, on peut attendre des siècles. En même temps, ouais. On est bien entouré. C'est bien entouré, ouais, ouais. Alors ici, effectivement, on est dans une communauté d'arbres assez exceptionnelle. Et on se promène entre des arbres qui ont ici jusqu'à 600 ans pour quelques rares spécimens, mais beaucoup de spécimens à 200, 300, 400 ans. Celui-ci, là derrière nous, il a probablement entre 400 et 500 ans. Mais dès qu'on sent qu'il y a ces siècles qui sont passés, c'est un temps qui nous dépasse et qui nous touche sur le plan affectif, qui nous interpelle comment traverser tant de siècles. Ici, à plus de 2000 mètres d'altitude, ils portent une image un petit peu d'immortalité. Bien sûr qu'ils sont mortels. Les plus vieux mélèzes en Europe, c'est 1200 ans. Parce que c'est eux qui ont accumulé toute une mémoire au fil du temps. Ils ont subi des tempêtes, de la foudre, des enneigements exceptionnels ou de la sécheresse. Et ils ont emmagasiné cette mémoire dans leur... dans leurs cellules, dans la génétique qu'ils portent, et ils vont la transmettre ensuite par leurs graines, et c'est ce qui fait toute la force de cette forêt, et toute sa magie aussi. Donc on est là dans une communauté vraiment vivante. C'est quelque chose, souvent on regarde la forêt comme ça, c'est un beau paysage, oui c'est charpenté par les arbres, mais c'est charpenté d'abord par des êtres vivants, c'est structuré par de la vie. C'est pas juste un décor. Ouais. Et ici, je crois qu'on va dans des origines. C'est peut-être ce sont nos parents d'une certaine manière. Il y a cette expression du début de la Terre, du début de la vie sur Terre. Et ça, c'est je trouve que c'est vraiment propre à certains espaces comme les forêts naturelles. Ces vieux arbres, ils inspirent le respect. Tu me disais que pour toi, il y avait un côté sacré. Et dans certains pays d'ailleurs, ces arbres, ils sont sacrés. Ils sont sacrés dans le sens où ils sont tellement précieux, ils sont tellement l'expression profonde du sens de la planète bleue, du sens de la Terre, qu'on n'a pas le droit de bousculer ces choses-là. On l'a fait bien trop déjà à travers le monde. Donc ce qu'il en reste, c'est d'une qualité et d'une nécessité absolue de sauvegarder cela. Et il est grand temps de nous reprendre, parce que c'est notre vie qui est en jeu, avec toutes les vies qui nous entourent. C'est notre équilibre, je le redis, notre équilibre psychique, la construction de l'être, elle doit se faire en présence des plus fortes expressions de la vie. Et je pense que ça manque énormément à nos enfants aujourd'hui, et il faut qu'on fasse quelque chose pour les générations futures. Merci beaucoup. Merci Laetitia. À travers sa sensibilité et sa poésie, Michel m'a initié à cette communication profonde avec les vieux arbres. Gardien du temps et de l'espace, il nous aide à percevoir au-delà de nos sens et nous questionne sur nos origines et notre futur. Un véritable voyage initiatique.
magique. Putain de douceur. Maintenant, petit passage dans Seillac, puis une belle section de ski avant une rencontre qui me tient particulièrement à cœur. Je vous en dis pas plus. Quasi au col pré-fromage, il n'y a plus qu'à se laisser glisser. Direction le clos. Merci beaucoup d'être monté jusque-là, me retrouver déjà. C'est un cadeau extraordinaire que tu m'as fait. Et on commence cette soirée en remerciant les arbres, puisqu'ils nous amènent quand même quelque chose d'incroyable à travers ce crépitement et à travers ce feu ce soir. Écouter le feu, regarder le feu et sentir le feu, c'est trois manières de se reconnecter à l'univers entier, grâce aux arbres. Et oui. Ouais, c'est beau de se dire que l'arbre, même quand il disparaît et qu'il disparaît en flamme, il nous offre aussi tout ça, quoi. Son dernier cadeau. Ouais. C'est peut-être le plus beau. Ernst m'a fait l'immense honneur de me rejoindre. Son livre m'a tellement inspirée. Il commence ainsi. L'arbre géant de l'espace et du temps, enraciné dans le ciel et dans la terre, mémoire des siècles et source de vie, ami de toujours, attend. Que l'homme s'arrête, qu'il le regarde et qu'il lui dise « Continuons ensemble ». Ernst, on a eu une nuit étoilée splendide. Quand je t'écoute, tu vois, la forêt, les arbres, ça a l'air d'être vraiment la solution à beaucoup de nos soucis. Par rapport à ce lien avec l'eau, en quoi est-ce que la forêt et l'arbre pourraient nous aider à ce niveau-là ? Alors, qu'est-ce qu'il y a juste en dessous des glaciers ? Il y a la limite des forêts, il y a les forêts. Et en fait, la forêt, c'est le château d'eau organique. Et là-bas, pour garantir un courant continu des rivières, avec toute la flore, la faune des rivières qui est essentielle à la santé de tout l'écosystème, c'est important d'avoir des forêts qui sont là pour capter cette eau. Et on est en train de développer le terme, le concept de sylvosphère. La forêt constitue une enveloppe de protection de l'endroit, du paysage, mais de la terre dans son ensemble, et garde son eau dans son sous-sol, utilise une partie pour faire sa croissance, sa photosynthèse, son accroissement, mais le reste va être stocké dans le sous-sol et diffuse lentement dans la nappe phréatique, alimente les sources, les ruisseaux et les rivières. Donc avoir des forêts dans ces endroits névralgiques où les précipitations ont lieu, pour les retenir, éviter les crues, c'est absolument essentiel. Et les forêts mélangées, c'est encore mieux que des forêts monospécifiques, surtout pour planter des monocultures pour faire ça. Alors, donc la forêt, ce sera, elle va nous sauver si on a compris cette fonction, puisque l'eau est absolument incontournable pour la continuation de la vie. Les arbres, tu disais, produisent du bois, mais pas seulement. Ce qui est important de comprendre, c'est que la gestion de la forêt doit aussi avoir lieu pour la production de la substance encore plus importante que le bois, c'est l'eau. Gérer les forêts pour qu'elles nous livrent de l'eau. Et elles sont là de manière primaire pour ça. Toute l'Amazonie
est entièrement essentielle à la Terre par sa gestion du grand cycle hydrologique et climatique. C'est aujourd'hui et demain, il faut comprendre que chaque paysage a besoin de sa part de forêt. Les déserts agricoles, on ne va pas pouvoir les garder, on va pouvoir les sauver grâce à une réintégration d'un maillage forestier et de haies et de bocages pour que cette eau soit retenue dans les sols. Parce que l'eau, elle est toujours là, il y en aura des précipitations pendant très longtemps encore suffisamment, mais ça devient irrégulier. Et pour la maintenir sur place, éviter les crues et l'érosion, c'est vraiment la solution du maillage forestier. Pour moi, c'était important de montrer que l'eau n'est pas une substance simplement là, mais il y a de l'eau qui meurt et il y a de l'eau qui naît. Et plus on a d'arbres, plus on a de photosynthèse sur Terre, plus il y a d'eau nouvelle qui se produit grâce à la photosynthèse. Donc si on amoindrit la puissance végétale de la Terre, on amoindrit aussi la régénération de l'eau. C'est en tout cas la forêt qui est la source des sources. Qu'est-ce qui serait la priorité de la priorité pour toi aujourd'hui ? Pour moi, l'urgence numéro un, c'est de mettre sous protection ce massif amazonien, absolument. On vit très dangereusement en ce moment. Si on continue d'entamer cette couverture végétale de protection de la terre qui fait du climat, ça risque de très mal tourner. Et c'est le dernier moment pour stopper cette atteinte à cet organe qu'est l'Amazonie. Dans tes mots, ça... C'est positif aussi, c'est toujours positif ce que tu racontes et je te remercie parce qu'il y a beaucoup de solutions, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'espoir. Et là, dans ce que tu dis sur cette gestion, c'est pareil, tu vois, je me dis, alors il peut y avoir finalement aussi cette symbiose entre l'homme et la forêt. Entre on a un rôle positif qu'on peut jouer, absolument. On n'est pas seulement des pilleurs de ressources, on peut être beaucoup mieux que ça. Merci beaucoup Ernst, en tout cas, pour tout cet espoir, c'est tellement important aujourd'hui, donc merci beaucoup. Merci Laetitia. Grâce à Ernst, je ne considère plus les arbres de la même manière. Ces gardiens de la terre détiennent les secrets de la vie. Ces êtres de lumière en lien avec le cosmos et l'ensemble du vivant ont tout à nous apprendre. Ils sont l'avenir de l'homme. Aurélie, salut. Du pays, ça va? Ça va bien et toi? Tu peux pour une petite balade? Eh bien allez, je fais chaud, on est parti. Voilà. Bon, du coup, on part pour combien alors là? Écoute, on attaque Pic de Château-Renard et puis derrière, t'en penses quoi alors? Grand Kira ou Pic Foréant? Eh bien, on va voir un peu en fonction de ma forme physique et des conditions surtout. Ouais. Bon, au pire des cas, tu me porteras, non? Ouais, c'est t'es ça. Au total, très solide. Plus ou moins 62 000. Ouais. On va le faire. Et puis, on va un peu prendre la décision là-haut. Nickel. On m'a souvent demandé ce que je recherchais là-haut, sur les sommets. C'est une quête personnelle, prendre de l'altitude pour élargir ma perception du monde et de la vie. Me perdre dans l'immensité et m'oublier pour mieux ressentir cette précieuse connexion avec la montagne. Eh ben écoute, ça a l'air pas mal, hein. Bah ouais, on va descendre là, ouais. On arrive direct sur le pont de l'Ariane, et puis on va faire la montée au Grand Kira en face, là-bas. Thank you.
Laetitia Roux en plein jardinage. Sommet du Grand Quirac, carrément quoi. Sommet du Grand Quirac. Encore une mauvaise nouvelle, je crois que Tissiaro m'a remis dans les rétros. Pourtant, belle neige. Et la petite bulle, ils peuvent s'accrocher. Allez, faut lancer. Voilà, on met du rythme. Je pense qu'elle est partie sur un bon rythme. Et elle allume du vert à l'arrivée. C'est du vert pour les Tissiaro. Arrivé à l'échalpe, bon, on est content. Ok, c'est bon. Est-ce que tu es content de ta descente? C'était parfait, on merci beaucoup, super guide. À refaire. Chaque forêt a sa propre personnalité et sa propre vibration. Tout semble si harmonieux au cœur de cet organisme doté d'une intelligence collective qui nous dépasse. Salut Robert. Coucou Laetitia. Elle est incroyable ta forêt. Alors il y a quelque chose qui m'interpelle beaucoup, c'est que le sambrou, j'ai vu dans ton livre que ces petites graines, elles n'ont pas d'ailettes pour s'envoler avec le vent et pour qu'ils puissent aller se replanter plus loin. Mais alors comment ils font pour être encore là et pour être aussi forts? Si tu veux, la dispersion des graines dans la nature, c'est toujours quelque chose de compliqué. Bien souvent, les végétaux ont choisi le vent, hein, parce que c'est le plus facile. C'est surtout le cas du mélèze, qui a une petite graine munie d'une petite ailette et qui le fait voyager. Et là, ce qui fait voyager les graines du pin cimbrou, eh ben, c'est le casse-noix moucheté. Hein, parce que pour lui, c'était difficile. Elles sont lourdes, elles vont rester au pied, et au pied, on ne peut pas pousser parce qu'il y a concurrence. D'accord. Donc, ils sont emmenés plus loin par les casse-noix mouchetés qui font des cachettes. Quelquefois, ils oublient des cachettes ou quelquefois, le temps est clément pendant tout l'hiver et ils ne se servent pas de toutes les cachettes. Et là, le pin cimbrou peut germer. Donc, c'est un petit oiseau. Ah, c'est un oiseau qui est de la taille d'un jet. Il se sert, par exemple, tu as quelques souches là, tu vois, ouais. Des souches coupées. Et il se sert de ces souches pour, comme forge, on dit. C'est une forge. Et il va amener sa pomme de pin cimbrou là-dessus, il met une patte et avec son bec, il tape, il écarte les écailles et il en retire les graines. Ce que j'ai vu aussi, là, tu vois, en montant, donc c'est beaucoup de trous dans ces vieux arbres. Si tu veux, quand il y a un très gros trou, ça va être le pic noir, le plus grand pic d'Europe. C'est un oiseau qui est magnifique, hein, il est tout noir, il a une calotte rouge. La femelle, elle a juste un tout petit béret rouge sur la tête. Lui, il fait des énormes trous. Il ne va pas se servir de ces trous l'année suivante, quelquefois, il préfère changer. Donc, ça fait une maison disponible, et d'accord, c'est disponible pour la chouette de Tegmalm, ouais, qui est un petit peu plus grosse que la chevêchette. Alors, la chevêchette, elle, va se servir des trous des piquets-pêches, par exemple, ou du pivert. Voilà, pour la chevêchette, c'est un petit peu différent. Il faut l'appeler avec un appelant. En général, j'ai toujours mes appelants, hein, sur moi, c'est des appos. C'est ça, tu me disais, ça c'est ton secret. Alors moi, j'attends ça avec impatience. Tu m'as dit que tu parlais avec les chouettes. Non, si tu veux, ça, tous les animaux, on peut tous les appeler. On peut même appeler un chevreuil. Ah. Hein. Mais voilà. Et la chevêchette, quand tu l'appelles, c'est ça. Tu refais son cri et elle est un petit peu intriguée. Et elle vient voir. Elle fait comme ça. «
T'as vu comme ça résonne dans la forêt déjà? C'est agréable. C'est super agréable. Ouais. S'émerveiller de ces petites choses qui sont curieuses. Et si on est curieux, alors là, on va apprendre beaucoup de choses. Ouais. Voilà, parce que la nature, c'est la meilleure des écoles. Merci de m'avoir donné rendez-vous ici, parce que je ne connaissais pas cet endroit. Et vraiment, voilà, on retrouve cette énergie dont on a parlé déjà, qui est juste incroyable. Merci. Ben, surtout, merci à toi de t'intéresser à ça, parce que beaucoup de personnes passent dans cette forêt et ils n'ont rien vu. Et ouais. Voilà. C'est bien dommage. Ouais. Bien, bravo. Merci à toi. L'arbre sublime les lieux qu'il habite, probablement car il n'est jamais seul. Ces incroyables symbioses avec le règne animal, végétal et fongique sont le reflet d'une remarquable coopération dont nous devrions nous inspirer. Bienvenue! Ça caille! Ouch. Ah, trop bien! Salut! Merci de m'accueillir là! Ah, je suis crevée, mais c'était énorme! C'était beau cette montée là! Ah, c'était fabuleux! C'était magique là, les couleurs et tout, c'était dément! Trop bien! Journée de fou! Trop bien! Trop contente de te retrouver là! Bravo, on va se faire un petit truc chaud, ça va nous faire du bien! Ouais, carrément, carrément! On va raconter tout ça! Excellent. Le pouvoir de ressourcement des espaces vierges, de la montagne, des forêts, ne laisse personne indifférent. Car lorsque le corps entre en résonance avec son environnement, le mental se tait et laisse place à l'instinct, l'intuition, le calme intérieur, comme si l'essentiel était invisible. Excellent! Trop bien! Trop cool, merci! Ah, c'est trop bon! Dément! Ben voilà! Trop beau! C'est maintenant une mission particulière qui m'attend. Je vais tout d'abord retrouver Cédric avant ma dernière rencontre qui est un véritable cadeau du ciel, ou peut-être des arbres.
C'est une femme qui rayonne, qui réconforte et qui inspire. Généreuse et d'une profonde sensibilité, elle a réveillé en moi des émotions inattendues. Hello Cédric. Salut Laetitia. Ça va? Oui, et toi? Nickel. T'as eu le temps? Oui, c'est tout bon, regarde. C'est tout là. Hop. Génial. La fleur de vie. Trop bien. Bah écoute, je traîne pas alors, ouais. Je vais attendre. Eh bien écoute, monte. À plus. À bientôt. Salut. Ciao, ciao. Avec l'association Water Family, nous sommes convaincus que l'éducation est un levier primordial au changement. Pour cette aventure, c'est les enfants de l'école d'Abriès que nous sensibilisons ensemble avec l'association Des Enfants et des Arbres. Bon, bonjour Marie-France. Salut Laetitia. Alors, salut Laetitia. Bravo. D'où tu nous reviens? Quel accueil, merci. Bah, d'un grand périple. Ah, ouais. Merci beaucoup de finir avec vous. C'est formidable. Je pense qu'on est bien sur le timing pour rencontrer les enfants. Ils vont pas tarder. Nous recevoir dans votre école. Ça finit un magnifique périple pour moi avec vous et je suis vraiment vraiment ravie d'être là. On est ravis d'être là. Non, j'ai un cadeau pour vous. Je vais vous l'offrir, c'est pour toute la classe. Merci. Tu veux l'ouvrir? Est-ce que tu peux signer des autographes? Oh, tu penses à moi? Ah oui, je sais. Wow. Wow. Merci. Merci. Qui a sculpté? Derrière. Photos. Wow! C'est de l'artisanal! Non! C'est pas de l'artisanal, de l'artisanal. C'est Cédric, un sculpteur qui habite à Aiguille. Merci. À bientôt alors! À bientôt! À bientôt! À bientôt! Au revoir! Allez, on va le mettre dans la classe alors? Oui! Marie-France, moi j'avais une première question à te poser parce que tu as été réalisatrice de beaux documentaires, dont un qui m'a beaucoup, beaucoup touchée, Le Temps des Arbres. Et tu as changé complètement de vie et tu as arrêté tout ça et tu t'es lancée dans une association des enfants et des arbres. Pourquoi ce changement radical? C'est pas un changement radical, c'est un prolongement en fait, c'est la continuité. J'aime bien dire que Le Temps des Arbres, c'est un peu la bande-annonce de la réalisation grandeur nature que je mets en œuvre aujourd'hui avec plein de citoyens, d'agriculteurs, d'enfants à l'échelle des territoires. Des enfants et des arbres amènent cette idée de « et si on aidait les agriculteurs à faire revenir l'arbre dans leur logiciel de production, comme partenaire de production ?» Et si on embarquait la jeune génération qui a besoin d'être reconnectée au vivant, mais qui a besoin aussi d'être actrice du changement? Et si on remettait l'arbre comme liant, comme trait d'union entre ces acteurs? Je pense que la transition agroécologique ne peut pas et ne doit pas être l'affaire du monde agricole. Ils ne peuvent pas seuls se réinventer. Aujourd'hui, il y a cette nécessité d'amener le monde agricole à pleinement renouer des retrouvailles avec le vivant, se réconcilier avec la nature. Et il faut dire que ce que la société leur a demandé ces 4 dernières décennies, c'était au contraire de fonctionner sans l'arbre et sans la vie et la biodiversité qui l'engage. Et donc là, cette idée, cette volte-face, il faut qu'elle soit assumée par la société civile, par le collectif, de dire, en effet, on a besoin que ce monde agricole, aujourd'hui, prenne soin du sol nourricier, prenne soin de l'eau, de l'air, de la biodiversité, de la beauté des paysages et prenne soin d'eux-mêmes. L'arbre est une solution, ce n'est pas la solution, mais c'est une solution majeure. Et puis l'autre solution, c'est la solidarité et l'engagement. On aide le monde agricole à se réinventer, on fait pousser des citoyens enracinés et confiants en eux-mêmes. Et puis on fait revenir le génie de l'arbre un peu partout. On arrive à un moment où justement on est dans une époque d'humilité, où on comprend que tout vient de l'humus, qui nous est offert, voilà, d'ailleurs il y a cette idée d'humus, humanité, humilité, qui sont pour nous vraiment une trinité. Qu'est-ce que, si on veut passer à l'action aujourd'hui, ben ouais, c'est quoi les grands piliers, c'est quoi... Si moi j'ai un mot, une idée, c'est la notion de réconciliation.
c'est vraiment là, modestement, nous, des enfants et des arbres, veut participer à ce que les agriculteurs ou le monde agricole se réconcilient avec le vivant. Mais il y a cette idée aussi que la société civile doit se réconcilier avec ce monde agricole qui est le cœur battant du collectif. Sans eux, on ne peut pas poursuivre, enfin, on ne peut pas se nourrir. Donc, c'est les remettre au cœur du collectif. Oui. Rappeler que c'est absolument, on a cette chance d'être en équipe, d'appartenir à plus grand que nous. Merci beaucoup, parce que dans tes mots, c'est comme je disais à Ernst, c'est beaucoup d'espoir, c'est beaucoup d'enthousiasme et c'est, ouais, c'est hyper important d'avoir des personnes qui rayonnent comme toi aujourd'hui. Mille merci, quoi. Mais je pense que l'espoir, c'est pas quelque chose qui nous tombe dessus. Ça se cultive. C'est une décision, en fait. Un agriculteur qui veut faire revenir à la vie, il cultive ça. Et l'espoir, c'est l'expression du libre arbitre. Et il faut qu'on décide collectivement qu'on va regarder dans une direction, qui est une direction où on aura un monde de fertilité, de solidarité, d'abondance partagée. Puis d'ailleurs, quand on se met en mouvement, c'est surtout qu'on est extrêmement joyeux. Et finalement, c'est sans doute un des ingrédients c'est le carburant. C'est la joie et la décision qu'on va y arriver. Vraiment, merci beaucoup. Bah, merci à toi pour cette mise en lien. Humanité, humilité. Et si cette trinité devenait les nouveaux piliers de notre société? L'arbre est une solution au dérèglement climatique, à la problématique de l'eau, des sols épuisés, de la biodiversité qui disparaît. Il nous invite à nous rassembler, à nous engager et à nous réconcilier les uns avec les autres, et surtout à nous réconcilier avec notre propre nature.